un mélange des deux, j'ai envie de dire. Il y a un côté grisant forcément dans ces nouvelles fonctions, passionnant aussi et effrayant, je ne dirais pas ça, mais en tout cas responsabilisant, ça c'est clair, oui. Je dirais ni l'un ni l'autre. Très honnêtement, je pense que j'ai eu la chance qu'on m'ait fait confiance dans les différentes fonctions qui ont été les miennes. Et je pense qu'il y a à la fois la volonté de faire bouger les choses, peut-être qui est propre à la jeunesse, mais qui peut se retrouver dans des profils plus âgés aussi. Et petit à petit, l'expérience qui va s'acquérir. Je dirais qu'on fait partie d'une génération, une génération climat finalement, qui a été sensibilisée aux questions de changement climatique, de nécessité d'une transition de nos modèles de société. Et donc j'espère en tout cas qu'on va pouvoir se rejoindre avec les gens de ma génération pour faire bouger les lignes. Alors là, ça c'est vraiment une question compliquée. Donc je ne savais déjà pas il y a 6 mois que je serais ministre, alors me demander ce que je ferais dans 30 ans. Mais en tout cas, j'espère que la planète, évidemment, s'en sortira et l'humanité avec. On va tout faire pour enclencher le changement durant cette législature, notamment en matière de biodiversité, qui est vraiment une priorité pour moi. La Belgique, c'est aussi une question compliquée. Donc franchement, bravo à celui qui peut prédire l'avenir.